Alors c'est vous le nouveau phénomène? En tout cas, j'espère bien. Ça me facilitera la tâche. Je suis Emma Jenkins, spécialiste en droit des contrats et j'ai été engagée pour être votre agent. Je vais essayer de vous obtenir les meilleurs arrangements possibles, mais vous devrez faire le maximum sur la piste. Toute nouvelle proposition, qu'elle vienne d'une nouvelle écurie ou de votre écurie actuelle, devra passer par moi. Je vous tiendrai également informé de toutes les discussions concernant les modifications de contrat ou les objectifs définis par votre équipe. Si je reçois une proposition de contrat, je vous présenterai les options qui s'offrent à vous et vous ferez votre choix. Je suppose que cela vous convient? Très bien. Bonne chance pour cette saison. À très bientôt. Nous voilà au tout début de ce qui s'annonce être une séance d'essai très intéressante ici à Melbourne. L'action devrait bientôt commencer, les voitures ne vont pas tarder à apparaître sur le circuit. Bienvenue aux téléspectateurs du monde entier et bonjour à celui qui se trouve à mes côtés dans la cabine. Dites-moi, êtes-vous impatient de commencer? Oui, absolument. J'ai toujours hâte de voir les voitures s'engager sur le circuit. Elles ne vont pas exploiter tout leur potentiel dès le début, c'est certain. Je sais qu'une ou deux écuries vont travailler sur les nouveaux éléments aérodynamiques, ça va donc leur prendre un peu de temps. Mais au fil de la séance, ce sera très intéressant de voir les gains de performance qu'ils obtiendront. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour vivre la première manche de ce championnat du monde de Formule 1 en compagnie de Stoffel Vandoorne, le pilote belge que nous allons incarner au sein de l'écurie McLaren Honda. Un choix qui a été retenu pour cette carrière, et bien c'est celui de mon équipier. Vous avez été très nombreux à voter et c'est Fernando Alonso qui a glané le poste de premier pilote. Le vendredi, vous le savez, dorénavant est un des jours clés dans le mode carrière et on commence par la reconnaissance de la piste avec un tour ensemble. On s'engage dans le premier secteur avec une McLaren Honda encore un petit peu capricieuse. Je n'ai pas encore l'habitude de bien prendre la mesure de cette monoplace que je n'ai pas encore bien pilotée. Pour ceux qui se posent la question, tout de suite on va répondre à l'interrogation. Je suis sans assistance. La seule aide qui m'est restée, c'est l'antipatinage en intermédiaire, tout simplement. Nous sommes face à une IA au niveau expert et je suis au volant derrière le Thrustmaster T300RS avec la galette F1. Pour tous les détails de cette carrière, je vous invite à jeter un œil dans la description. Comme ça, vous aurez tout ce que vous devez savoir sous les yeux. On poursuit notre travail dans cette première séance d'essai libre avec donc trois objectifs à remplir. Un premier avec les pneus médium, un deuxième avec les pneus soft et un troisième avec les pneus super soft, à ne pas confondre avec les ultra soft qui eux feront leur apparition plus tard dans la saison. Nous avons choisi bien évidemment l'allocation de nos pneus pour le week-end. Et il va falloir être très attentif à ce qui se passe. Joli coup de raquette ici à la sortie du deuxième secteur, virage 14 et 15, un enchaînement très compliqué. Et vous voyez que ça se passe plutôt bien pour la reconnaissance ici. Ah, on va louper une petite porte malheureusement. On n'aura pas le tour parfait dans notre escarcelle pour commencer la saison, mais il est important de glaner ses points. Pourquoi? Pour faire évoluer ce trop fébrile moteur Honda. On sait que la McLaren pêche en vitesse de pointe et notre objectif sera de ramener le plus rapidement possible le nombre d'unités nécessaires à faire évoluer la voiture, les genres de jetons. Et pour cela, il vous faudra travailler chaque vendredi sur ces trois éléments disponibles dans les trois séances. Pardon. Ici, un autre résultat, une autre étude de recherche effectuée avec le septième tour que l'on va vivre ensemble de cette recherche. Il y a un delta à respecter, c'est-à-dire une performance, un temps au tour à battre. Et en battant ce temps au tour, il faut en plus être soigneux et précautionneux avec ses pneumatiques. Sept tours donc à effectuer et vous voyez que pour l'instant, ça s'est plutôt bien passé, hormis le deuxième tour où j'ai été un petit peu gêné par une voiture, ce qui m'a obligé à bloquer mes roues. Eh bien, les recherches se passent plutôt bien. Ces points vont nous servir donc à faire évoluer la voiture dans différents domaines. La consommation, le moteur, le châssis, la traînée, l'aérodynamisme. Et la première chose que l'on fera faire à notre ami ingénieur que nous allons rencontrer d'ici quelques instants, eh bien, c'est faire évoluer ce moteur Honda pour des pistes comme Bahreïn ou Sochi où on risque de souffrir. Ici à Melbourne, ça n'est pas encore trop grave, hormis la ligne droite descente et cette ligne droite-ci qui n'est pas vraiment droite. On parvient encore à se défendre, mais on risque d'avoir du mal. Donc, première chose à faire avec cette McLaren Honda, eh bien, corriger son déficit
moteur, ça se passe mieux ici. Vous voyez qu'on peut soulager, on a le delta, on est à 2/10 d'avance pour l'instant. On a déjà rentré 85 points sur les 80 nécessaires, donc on est pour l'instant au score parfait. Et cet exercice va conclure la première séance d'essais libres du week-end et de la saison. On découvrira le classement de cette dernière d'ici quelques instants. On va s'extraire du dernier secteur. Très difficile avec l'étalonnage de boîte de tout simplement switcher en 5ème vitesse et le DRS en même temps. C'est un petit peu compliqué, mais on s'en sort jusque là très très bien. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Chris et je travaillerai à vos côtés en tant que directeur technique. Mon travail consiste à écouter vos retours et à axer nos recherches sur les éléments qui pêchent selon vous. À chaque Grand Prix, nous effectuerons plusieurs programmes d'entraînement afin de voir comment se comporte la voiture dans ses limites. Les données ainsi obtenues nous permettront de travailler à différentes améliorations. Afin de gérer les priorités, choisissez un domaine de développement sur lequel vous souhaitez que nous travaillions. Vous pouvez y parvenir depuis la section R&D de votre ordinateur portable. Voilà, c'est tout pour l'instant, mais je vous tiendrai au courant. À bientôt. Et nous venons donc de rencontrer Chris qui nous invite donc à faire évoluer notre moteur Honda et notre châssis McLaren. Et nous allons donc opter tout de suite pour la puissance du moteur, qui a bien besoin d'un petit coup de pouce. Jetons un œil au classement à la fin de cette séance. Voici à quoi ressemble le top 3. Verstappen, Raikkonen et Felipe Massa. Merci d'avoir assisté à cette séance d'essais libres. Nous retrouverons bientôt toute l'émotion de la Formule 1. Ah, je vous cherchais. Le patron m'a fait lire la rubrique People ce matin. On dirait que tout le monde en a après votre nouveau rival. Voici les détails. Et nous allons donc découvrir notre rival pour le début de cette saison, peut-être pas la saison entière, on verra comment ça se passe. Face à face avec notre équipier, le champion espagnol Fernando Alonso. Bonjour, je voulais juste vous transmettre les objectifs attendus par l'écurie pour la prochaine séance de qualification. Bienvenue sur le circuit de Melbourne, où les qualifications pour le Grand Prix d'Australie devraient bientôt débuter. Ça m'a tout l'air du type de circuit qui va être très exigeant envers les pneus arrière, avec beaucoup de sorties de virages lentes. La bonne gestion des pneus sera un facteur décisif ici, surtout en ce qui concerne les pneus arrière. Il est très facile de les surchauffer et les sorties de virages lentes ont tendance à les malmener. Les Lotus et Ferrari en particulier ont souvent du mal à gérer l'abrasion, mais toutes les écuries vont en souffrir d'une manière ou d'une autre. Réglage terminé, que les mécaniciens s'écartent, on est prêt à partir. Premier moment important de ce week-end de course, rien de plus que la qualification qui débute ici alors que le soleil est en train de se coucher à Melbourne. Évidemment, avec la volonté de répondre aux attentes de l'audience télé pour l'Europe, il faut décaler la séance qualificative et c'est avec le soleil sur le coin de la visière que l'on va entamer notre premier tour chrono dans cette Q1. Ouverture du DRS un peu tardive, mais ce n'est pas grave. En étant super soft, ce train de pneus-là est à cramer quoi qu'il arrive dans cette Q1. On ne le ressortira pas ni en Q2 ni en course, sauf catastrophe évidemment. Et voyez donc le premier secteur, ouverture de la deuxième zone de DRS, ça se passe plutôt bien. Vous l'avez vu donc l'objectif est de terminer au 13e rang de cette séance qualificative. Déjà donc, première étape passée en Q2. Avec derrière nous une voiture qui risque de ne pas nous gêner puisqu'on est plus rapide pour l'instant. Piste bien dégagée, c'est toujours un peu le plus compliqué hein, en Q1. Obtenir un secteur où on est calme. Nous avons actuellement le cinquième chrono parce que nous n'en avons pas encore rentré. Le temps devrait rester sec pendant un moment. On te tient au courant s'il y a du nouveau. Et Jeff nous informe que la météo restera clémente avec nous ce samedi. Qu'en sera-t-il pour demain? On ne sait pas sincèrement. Je n'ai pas jeté un œil aux prévisions météo avant le début de la séance, mais pour l'heure ce n'est pas ce qui m'intéresse, c'est de me concentrer et de tenter de sortir un chrono propre pour s'extraire de cette première zone dangereuse.
le verdict du chrono dans cette première séance. Et c'est le 11e temps, et regardez bien, nous sommes 1 centième de seconde devant Fernando Alonso, ce qui prouve bien qu'en super soft, eh bien, nous avons tiré toute la quintessence des pneumatiques. Impossible donc de faire mieux pour nous dans cette Q1. On a réussi à s'en sortir. Notez également qu'une Williams a réussi à passer en Q2 avec des pneus soft. La Q2, justement, nous y sommes avec cette sortie très hasardeuse du dernier virage. Et on va déclencher notre chrono en super soft cette fois, puisque l'objectif serait éventuellement de se classer avec la voiture au 10e, au 11e rang, pour partir avec le train de pneus que l'on souhaite et non pas ce train-ci. Donc c'est un jeu extrêmement technique et complexe de se dire qu'il faut viser la 11e place, parce que si on fait trop bien, eh bien on sera en Q3 et avec ces pneus-là, et dans ce cas-là, la course sera condamnée à une stratégie à 3 arrêts. Au mieux, on pourra faire une stratégie à 2 arrêts, sauf s'il y a safety car. Vous voyez qu'on est en tout début de Q2, puisque les meilleurs chronos s'enchaînent. C'est au tour maintenant de Valtteri Bottas de s'emparer du meilleur temps. L'occasion pour moi d'évoquer quelques modes qui ont été installés avant le début de cette carrière, ce qui explique que vous avez patienté quelques jours face à d'autres. Je vous propose les Williams avec le Martini, un nouveau skin pour les Red Bull, les Manor, et la McLaren qui arbore une marque de champagne bien célèbre qui est devenue officiellement celle de la Formule 1. Raikkonen en 1:28.435 et le plus rapide. Alors ces chronos n'ont pas de valeur, c'est plus la position qu'ils défendent. Lewis Hamilton maintenant, c'est tous les pilotes que l'on voit passer sur le haut de l'écran qui se mettent à l'abri en prévision de la Q3, et tout le monde étant super soft, même les Mercedes que l'on pensait pourquoi pas tenter le coup en soft. En tout cas, on conclut notre tentative ici. Un peu de survirage dans le dernier virage, mais rien de bien dramatique, alors que notre équipier Fernando Alonso est au stand, et on termine avec un 1:30.004 cette Q2 qui nous offre la 6e et déjà 7e place. Et bien au final, vous constatez que nous ne sommes pas en Q3, même si nous avons fait un très beau chrono. Ce sera une qualification indécise. Pourquoi ? Parce qu'il fallait être 13e à la demande de l'équipe, et le résultat est là. Nous sommes en effet 13e, 2 places devant Fernando Alonso. Le contrat est donc rempli. Place maintenant à la course. On sent un mélange d'espoir et d'impatience ici, et tout va se jouer aujourd'hui dans un endroit que nous connaissons très bien, Albert Park. L'histoire de cette saison commence ici, au Grand Prix d'Australie, et l'heure est venue d'en écrire le premier chapitre. La course du jour nous emmène dans l'état de Victoria, où les pilotes parcourent 5,3 km et négocient 16 virages par tour à une vitesse moyenne d'environ 190 km/h. La proximité des barrières rend les accidents inévitables, et comme souvent ici, nous risquons de voir la voiture de sécurité lors de la course. J'ai à mes côtés aujourd'hui et pour la saison entière un véritable expert des courses et de la Formule 1, j'ai nommé Nicolas Martin. Dites-moi, c'est le premier Grand Prix de la saison, les premiers tours de roue pour ces voitures. À votre avis, quels sont les grands enjeux ? Merci pour cet accueil, Jean-Paul Cassard. Avant tout, je tenais à dire que c'est un grand honneur d'être ici. J'ai hâte de voir ce que ce plateau nous réserve pour cette saison qui débute. Pour répondre à votre question, il y a bien sûr les performances en course, mais le plus important est la fiabilité. C'est le premier Grand Prix de la saison, les pilotes vont pousser tous les nouveaux composants à fond. Les Formule 1 sont bourrés de technologies aussi sophistiquées que sensibles. Alors le plus important aujourd'hui, c'est de finir la course, de tout garder en bon état et de ne pas se fourrer dans le pétrin. Il faut que tu finisses dans les 13 premiers. Nous allons à présent étudier la grille de départ. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place. Et Nico Rosberg complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Ricciardo, Verstappen, Kimi Raikkonen et Bottas, Vettel, Massa, Grosjean et Nico Hülkenberg, Kvyat, Perez, une McLaren et Sainz, Alonso, Palmer, Kevin Magnussen et Felipe Nasser, Gutiérrez et Wehrlein. Marcus Ericsson et Rio Arianto complètent la grille de départ. L'extinction des feux est imminente. Nous allons donc nous rendre vers la piste. Le début du tour de formation de cette première course de l'année. Il faut caler l'embrayage. L'embrayage fonctionne comme il faut. La boîte répond bien. Tu dois faire chauffer les gommes et les freins. Ils doivent être chauds à la fin du tour.
Et la tension qui monte dans les baquets. Premier Grand Prix pour Stoffel Vandoorne avec McLaren. On va voir si on peut tirer les premières conclusions du week-end avec une position normale, la 13e. On est là où McLaren doit être. Maintenant à nous de bien mettre en température cette voiture avant le départ et tenter de bien s'envoler. Les objectifs du team, je vous les rappelle, il faut terminer au moins 13e au classement et devant Fernando Alonso. Et l'objectif au championnat, c'est de terminer 10e. Mais personnellement, je vais vous parler un petit peu des objectifs de cette saison, qui sont des objectifs personnels. Je souhaite arriver à effectuer 3 podiums avec McLaren. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 circuits où je suis sûr que la McLaren peut faire la différence avec son empattement court et son manque de moteur. Je pense par exemple à Monaco. On verra bien comment tout cela se passe. Mais mon objectif personnel serait de ramener 3 podiums à la fin de la saison. Et pour ce Grand Prix-ci, j'aimerais bien ramener 1 point, c'est-à-dire entrer dans le top 10 pour déjà commencer correctement cette année avec des objectifs remplis. Il faut savoir qu'à l'issue de la séance qualificative, vous avez découvert la grille de départ, mais dans le duel face à Fernando Alonso, eh bien je suis pour l'instant derrière d'un petit point. 9 unités, je crois, ou 5 pour lui et 4 pour moi, ou 9 pour lui et 8 pour moi, quelque chose comme ça. Donc pour l'instant, on est en retrait, il faut donc redresser la barre avant la fin du week-end. Et pour cela, eh bien, on met la voiture en température. Vous voyez que ça monte bien avec le petit graphique en bas à droite. Je vous explique sur la partie gauche la température du moteur. Ensuite, la colonne de gauche, vous avez d'abord la température du pneu. Ensuite, la température des freins que l'on a réussi à mettre aux alentours de 100 degrés. Ce qui est l'idéal. On perd évidemment de la température le temps que le reste de la grille se reforme. Nous partons donc 13e aux côtés de Sergio Perez. La grille se reforme et dans quelques instants, ce sera l'heure du départ de ce premier Grand Prix de l'année. Le reste de la grille se met en formation. Concentre-toi et surveille les feux. Les feux s'allument quand ils s'éteignent. C'est parti! Et on roule à Melbourne, premier départ de cette saison 2016 avec un très bon départ devant pour différentes voitures. Derrière, Daniil Kvyat s'est un peu loupé, Perez a décollé complètement, il va peut-être même doubler une Haas. Attention dans le premier S ici, il peut toujours y avoir des ailerons qui volent. On prend l'avantage sur Sergio Perez derrière Romain Grosjean, parti lui en super soft. Évidemment il était en Q3, on s'élance très très bien pour l'instant, pas de dégâts, pas de drapeau jaune devant, un contact entre Felipe Massa et une des Ferrari. Ça se tient à la file indienne dans ce premier tour et ça passe bien. Les Mercedes sont devant, les Ferrari un peu en retrait. On a une bonne sortie ici sur la voiture de Romain Grosjean, le Français, qui va défendre cher les premiers points pour l'équipe américaine. Ça glisse, mais la voiture était parfaitement en température. L'avantage est au pneu pour le Français. Peut-on le surprendre au freinage? On va décaler la McLaren. On freine et sans bloquer les roues, nous nous emparons de la 10e place, entrée dans le top 10 avec notre McLaren derrière Hülkenberg qui a pris un excellent départ. Les Force India se sont très très bien élancés. Devant, ça se chamaille encore entre Massa et les Ferrari qui font perdre beaucoup de temps au peloton et qui nous permettent de revenir et pourquoi pas avoir l'occasion de prendre l'extérieur sur Nico Hülkenberg. L'Allemand peut être attaqué, maintenant c'est fait. À l'intérieur, va-t-on résister du côté d'Hülkenberg? Et non, il cède sa 9e place. La McLaren se débrouille très bien dans ce premier tour et on voit déjà que devant, les Mercedes sont partis, les Red Bull sont un petit peu derrière, ça bouchonne pour une des voitures autrichiennes. Ensuite le classique sandwich Ferrari Williams et nous sommes derrière. Premier tour, record du tour pour le leader évident, en 1.35 pour Lewis Hamilton à l'aspiration derrière Sébastien Vettel, le pilote allemand de la Scuderia Ferrari à l'issue du premier tour. Pas encore de DRS, il faudra patienter encore 2 boucles pour être avantagé dans l'aspiration. Et là Williams qui s'est un petit peu loupé, je pense que Vettel va tenter sa chance au prochain freinage. Est-ce qu'il y va l'allemand? Non, mais nous y allons et on prend l'intérieur sur Vettel. Est-ce qu'on peut prendre l'avantage? La Ferrari qui évidemment a un meilleur moteur et qui là est à l'intérieur, il va falloir peut-être abdiquer. On tient roue contre roue face à Vettel et on soulage parce que là il n'y a de toute manière qu'une trajectoire et on a déjà perdu pas mal de temps. Et bien c'est un Grand Prix qui est parti sur les chapeaux de roue. On a pris un excellent départ, donc parti de la 13e position. Nous sommes 9e sous un ciel gris. Va-t-il y avoir de la pluie dans cette première épreuve de la saison? La réponse bientôt, l'attaque sur Sébastien Vettel dans le deuxième secteur. Tu es 8e, Massa devant. Il est à moins d'une seconde. Tu perds environ
gomme Super Tendre. Vettel derrière. Ils ont de nouvelles gommes Super Tendre. La fenêtre de ravitaillement s'ouvre dans 10 tours. La fenêtre ouvre dans 10 tours. 28 tours restants. Drapeau vert, on est reparti. Et c'est l'abandon pour le pilote Renault, Julian Palmer. Début de saison difficile pour le Britannique, alors que vous l'avez entendu. Notre arrêt se fera aux alentours du 12e tour. Un arrêt dans notre stratégie, on mettra les pneus durs et on devrait aller au bout. Et là, on a notre chance. Et avec l'aide du DRS dans ce 3e tour, pas encore disponible, on n'en a pas besoin pour aller chercher le pilote brésilien sur la Williams qui nous céderait peut-être sa 7e place si on parvient à trouver l'ouverture, alors que devant, les deux Williams sont en difficulté. La Ferrari et de Kimi Raikkonen qui vient de passer devant Valtteri Bottas, effectivement. Voici nos concurrents directs pour la course d'aujourd'hui, Ricciardo et Alonso. Fernando Alonso qui est bien loin des objectifs du team pour l'instant. C'est nous qui tenons la barque du côté de chez McLaren Honda avec une 8e place absolument inespérée. Je ne pensais pas sincèrement que la McLaren aller se comporter aussi bien en course. Je pensais être avalé par les voitures, notamment montées en pneus super soft, mais ça n'est pas le cas pour l'instant dans ce premier quart de course. Le deuxième secteur avec l'enchaînement ici que j'apprécie particulièrement, j'en sors toujours en dérapant. Le temps devrait rester sec pendant un moment, on te tient au courant s'il y a du nouveau. Et Jeff nous informe que la météo devrait rester sèche au-dessus de Melbourne. L'accumulation des nuages ne va peut-être pas durée, peut-être une éclaircie ou peut-être de la pluie. Pour l'instant, on ne doit pas s'en tracasser. On va conclure le 3e tour de course ici, toujours sous le commandement des deux Mercedes. Ensuite viennent les Red Bull et on touche légèrement Felipe Massa. On se décale dans la ligne droite avec l'aide de DRS peut-être, mais le moteur Honda ne peut rien faire face à la Williams. Et on doit encore attendre pour pouvoir passer, mais on perd du temps derrière Felipe Massa sur un tour. Nous sommes plus rapides que le Brésilien. C'est indéniable puisque là, dans les secteurs lents, le châssis McLaren est plutôt bon. Preuve que si le moteur évolue bien, on pourra faire quelque chose de cette petite voiture que beaucoup boudaient et qui finalement n'est peut-être pas la plus belle, mais pourrait nous offrir quelques belles surprises cette saison. À la relance, on frôle le mur, toujours derrière Felipe Massa. Je vous ai laissé vivre quelques instants avec le bruit de ce V6 hybride. Et regardez comme on est proche de Massa. Encore à contact avec le Brésilien, pas de dégâts sur notre aileron. Mais là, on va tenter notre chance à l'extérieur, pourquoi pas. On a vu qu'il allait facilement fermer la porte. Attention, il va venir se remettre sous notre museau. Et Massa qui ralentit et il nous empêche de passer. On doit aller mettre deux roues au-delà des limites de la piste. L'AstroTurf nous accueille, mais ici c'est le bac à gravier que l'on va visiter. Mais finalement, le pilote brésilien est derrière nous, même s'il y a eu une dernière tentative de sa part pour revenir. Et ça a failli lui être fatal, puisque derrière, la Force India est revenue aux affaires et va, pourquoi pas, dépasser Felipe Massa. Vous voyez que Kimi Raikkonen vient de s'emparer du tour le plus rapide. Les Ferrari extrêmement véloces en ce début de saison. On se retrouve au 6e tour maintenant et les premiers arrêts pour les pilotes qui étaient qualifiés en Q3. Effectivement, les pneus super soft ne sont pas éternels et ça nous permet de glaner quelques positions. On réfléchit à une stratégie viable que nous aimerions utiliser. Tu souhaites continuer sur ta lancée ou on change? Et c'est à cet instant que Jeff vient à nous pour voir si on ne changerait pas notre stratégie. Et effectivement, nous allons changer cette stratégie. Puisqu'à ce stade-ci de la course, je pense que les pneus ne tiendront pas le coup. Un relais de 12 tours suivi d'un relais en pneus durs. Donc, on va peut-être passer sur une stratégie à deux arrêts et faire un stint en super soft. La fin du 7e tour de course. Et regardez, eh bien, il ne nous restait que Nico Rosberg et Valtteri Bottas en pneus super soft. C'est maintenant corrigé. Vous voyez que les hommes de tête sont tous passés au stand pour chausser des pneus médiums. La composition de gomme la plus dure à la disposition des pilotes ce week-end. Vous voyez également que l'état d'usure de nos gommes est assez important. Dans le 8e tour,
Et derrière nous, évidemment, avec des pneus neufs, il n'en faut pas plus au Mercedes pour repasser. Tiens, tiens, qui est devant? Eh bien, c'est Nico Rosberg. Et non, c'est Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui a repris la tête à son collègue de l'équipe Mercedes AMG. Et donc, les deux flèches d'argent qui reprennent la tête de la course. Mais de notre côté, ça ne nous intéresse pas. Nous ne sommes pas dans la même course qu'eux. Même si ça nous aide d'avoir le DRS, eh bien, on reste quelques temps collé aux deux machines grises. Voyez la différence de moteur dans la ligne droite. Il faut bien le faire évoluer, comme je vous le disais. Trois secondes d'avance et on profite encore une petite fois du DRS. Ça ne mange pas de pain. Et on explique à Jeff que l'on ne va pas suivre son conseil. On va finalement revenir sur la stratégie de base et monter les pneus médium. Et dans le 11e tour de course, on va finalement opter pour une stratégie à un arrêt avec les pneus médium. On ne va pas passer les pneus ultra soft, super soft, pardon, avec quasiment 60% d'usure sur le pneu avant gauche. On a un rythme qui est tout à fait correct. Mais regardez derrière, il y a un petit train emmené par un Espagnol. Heureusement, pour nous, ça n'est pas le bon. C'est Carlos Sainz. Et on va observer notre seul arrêt de la course maintenant. Et attention à la limite, hop, tout juste pour passer le transpondeur sans être en excès de vitesse. Vous voyez qu'il fait plutôt calme dans cette pit lane. On va voir que différents pilotes vont nous passer, notamment Kevin Magnussen et Felipe Nasr et Marcus Ericsson qui sont dans une forme olympique. Hein. Les Force India sont derrière, elles ont perdu du temps. C'est le cas aussi pour Fernando Alonso que l'on va voir passer sur la gauche. On voit passer une Haas et c'est Fernando Alonso qui est juste sous notre nez. On se retrouve derrière le pilote espagnol avec nos pneus qu'il va falloir maintenant mettre en température. Il va falloir aller au bout avec ses pneus durs. On a derrière nous une Williams qui va nous attaquer et Felipe Massa également sur une stratégie d'un arrêt. Mais lui avec des pneus chauds se présente devant nous et on maintient l'extérieur face à Felipe Massa dans ce petit droit. Max Verstappen qui s'arrête en plein milieu de la piste et on ne peut pas dépasser sous drapeau jaune évidemment, c'est la réglementation, on va essayer à l'extérieur mais évidemment on doit céder la place à Romain Grosjean. Max Verstappen qui s'écarte avec une voiture au ralenti, les pilotes peuvent enfin dépasser et vous voyez le contact avec la voiture de Romain Grosjean, c'était totalement évitable mais malheureusement Max Verstappen n'a pas su écarter sa voiture de la trajectoire et tout le monde s'est retrouvé derrière lui, drapeau jaune dans le deuxième secteur, on relance les machines, on constate que Romain Grosjean est encore en super soft. Il est donc lui sur une stratégie à non pas un mais deux arrêts. Et ça nous promet de belles choses pour la fin. Nouvelle confirmation de la part de Jeff qu'il n'y aura pas de pluie. Nouvel arrêt également pour une des voitures devant nous. Je crois que c'est Esteban Gutiérrez qui est allé passer au box. Non, c'est Sébastien Vettel, pardon, la couleur de la voiture m'a trompé. Et à ce moment-là, c'est Sergio Pérez qui montre toute la puissance et la quintessence du moteur Mercedes installé dans sa Force India et qui passe sous notre nez. Et le contact avec Felipe Massa en tête à queue dans le premier S. Le pilote brésilien est venu se glisser à l'intérieur, mais ça n'était pas suffisant. Il n'y avait tout simplement pas la place. On va tenter de récupérer le point de la 10e place à Sergio Pérez sur le freinage. Et ça passe, la Force India qui doit céder sa 10e position. On est encore dans la douleur de devoir mettre nos pneus en température, mais ça commence à aller mieux. Et là, on commence à entrevoir le bout de la course. La course, justement, 14e des 29 tours. Nous sommes à mi-chemin de cette manche australienne. Et vous voyez que ça boxe pour beaucoup de pilotes, notamment Romain Grosjean. Et on va donc se retrouver en piste derrière Fernando Alonso, notre équipier. Et entre nous deux, Kimi Raikkonen qui ressort avec des pneus médiums. Donc tous les hommes
de tête est en partie en super soft, ils ont dû opter pour deux arrêts et non pas un arrêt, puisque les pneus médium et les pneus soft, pour eux, c'était obligatoire, donc il fallait effectuer deux stops. On est derrière Kimi Raikkonen, le moteur Ferrari va très vite nous oublier, vous allez le voir, ça ne va pas durer longtemps. On n'aura même pas l'opportunité de profiter du DRS, on est même déventé par la Ferrari en étant très très large à l'issue du premier secteur. Vous voyez qu'au niveau des écarts, on a quelques dixièmes seulement sur Sergio Perez, il y a un petit train derrière nous. Au sujet de Vettel, leur monoplace a des soucis, ils vont tourner au ralenti. On nous annonce que Sébastien Vettel a des problèmes, mais nous aussi, nous sommes en proie à de nombreux problèmes. Il s'appelle notamment Sergio Perez et Daniil Kvyat. On va se livrer pendant quelques tours à une superbe bagarre avec le pilote russe et le pilote mexicain que vous voyez ici, très agressif. On va tenter à l'extérieur de réattaquer la Force India, le contact avec Perez, et on va mettre la voiture dans les graviers. C'est qui en profite? Et bien sûr, c'est Daniil Kvyat, opportuniste, le pilote russe, qui se glisse au 9e rang de cette épreuve. Un seul abandon pour l'instant, on vous l'a dit, c'est Julian Palmer. Visiblement, Max Verstappen a pu se remettre des soucis qu'il avait eu en piste tout à l'heure. Peut-être un souci de boîte de vitesse pour le pilote néerlandais. Vous voyez qu'au niveau du carburant, on s'en sort plutôt bien avec un tour 75 environ de marge. Nous sommes dans les objectifs de l'équipe. Le ciel va commencer à un petit peu s'éclaircir. Il est moins sombre que tout à l'heure, notamment sur la partie gauche ici de l'écran, où on voit qu'il y a quelques nuages qui s'en vont. On revient très très fort sur la Toro Rosso moteur Ferrari. Dans la relance, nous sommes très bons, mais une fois qu'il faut laisser parler les chevaux, eh bien, la McLaren se laisse battre par ses petites camarades. Et vous voyez qu'on est très proche, et le but ici, c'est de compenser le manque de puissance du bloc Honda par le DRS dans la ligne droite et rester au contact de ces deux pilotes, voire même les titiller, ce qu'on fait ici, ce qui n'est pas la meilleure idée parce que ça nous gêne dans la relance. Relance que voici, et vous voyez que ça glisse tout juste, mais on est très très bien. Le DRS pour nous, mais malheureusement aussi pour Daniil Kvyat qui tente tout ce qu'il peut pour passer la Force India. Peut-on aller chercher déjà Daniil Kvyat dans ses premiers mètres? On va chercher l'intérieur, mais non, on se montre tout simplement à ce stade-ci de l'épreuve. Pas de quoi attaquer. La lutte est très belle entre les trois pilotes, nous sommes très serrés. Est-ce que Stoffel Vandoorne va ramener son top 10? C'est l'objectif qu'il s'était donné chez McLaren. Terminé 13e. Et on est pour l'instant en train de remplir le contrat. Et à pneu égal, eh bien, la Toro Rosso, la Force India et la McLaren se tiennent. Par contre, mauvaise nouvelle, je peux vous le dire, la McLaren n'aime pas du tout les pneus médiums. Et l'attaque sur Daniil Kvyat, surpris, tout comme nous. Et ça passe pour la McLaren. On se retrouve dans le 18e tour, retour de Daniil Kvyat qui profite du DRS. Il se maintient à l'intérieur, on tente de passer à l'extérieur. Et le contact avec la Toro Rosso qui part en tête à queue et qui se fait percuter par la Williams. Et la direction de course qui désactive le DRS et surtout qui sort le safety car à 10 tours de l'arrivée. Régime de voiture de sécurité, la première de la saison. Et nous sommes donc pour l'instant 9e. Le contrat est rempli auprès de McLaren, mais me vient une idée. Bien, rentre à la fin de ce tour. On va rentrer au box, monter des pneus neufs et surtout des pneus soft et non pas des pneus médiums pour garder l'avantage. Mais la chose que je n'avais pas prévue, c'est la suivante, c'est que Fernando Alonso opte également pour cette stratégie. McLaren fait rentrer ses deux voitures, monte des pneus soft sur les deux bolides. Est-ce que l'on va pouvoir rentrer sans être gêné? On voit également que Williams est prêt à accueillir la voiture qui a été blessé dans le contact avec Daniil Kvyat. On voit Kevin Magnussen qui va s'emparer de la 10e place sous régime de safety car. Felipe Nasser devrait normalement également passer. Marcus Ericsson, son équipier aussi. Vous regardez le classement à gauche, ça passe pour les deux voitures suisses et pour Daniil Kvyat qui finalement n'aura pas abandonné mais aura simplement créé l'accident avec je crois Felipe Massa qui était sur la même stratégie que nous. Et nous voici donc à 10 tours exactement de l'arrivée avec une voiture en état et surtout des pneus plus performants d'une demi-seconde face à nos adversaires. Quelque chose d'inquiétant, nous ne sommes pas derrière le safety car proprement dit, mais la course devrait repartir dans ce 20e tour. Hülkenberg est derrière toi, l'écart est de moins d'une seconde, ils ont de nouvelles comme médium. C'est notre dernier arrêt, plus aucun arrêt prévu pour aujourd'hui, plus que 10 tours restants. Et après le topo effectué par Jeff,
le retour derrière la voiture de sécurité dont on va attendre la fin de l'intervention qui a lieu d'ici quelques instants à l'issue du 21e tour que voici. La voiture de sécurité va rentrer, on se retrouve donc derrière Daniil Kvyat avec les bons pneus. Pour information, Fernando Alonso est devant nous. Il est 10e, le pilote espagnol, donc pour l'instant le contrat n'est pas rempli. Ni pour la position, ni pour battre Fernando Alonso. Daniil Kvyat qui est très lent. Une fois que le régime de drapeau vert sera donné, et c'est fait, voilà, on peut attaquer maintenant le pilote russe sur la Toro Rosso et ça passe. La petite voiture italienne se laisse dépasser. On se retrouve derrière les deux Sauber qui sont proches d'être dans les points. Mais regardez ce qui se passe. Plusieurs voitures sont au box et sans aucun effort, nous sommes dans les points et nous retrouvons la 10e place, Fernando Alonso au box. Rendez-vous compte, les deux Sauber sont à deux doigts de se faire dépasser. On va voir si on peut prendre l'avantage sur Marcus Ericsson et surtout sur la deuxième voiture, celle de Felipe Nasser, le Brésilien. On joue les points tout simplement et je ne pensais pas être à pareil fait avec la McLaren. Et voyez que ça défend bien, mais là on croise les trajectoires et on prend l'avantage sur Marcus Ericsson, le Suédois, qui nous laisse sa place tout simplement parce que nous avons des pneus plus performants que lui et ça compense le manque de moteur de cette McLaren Honda. Fin du 23e tour, on est derrière Felipe Nasser alors qu'Hamilton rentre au box, passé des pneus super soft effectivement. Et les pilotes de tête n'avaient pas encore effectué leur dernier arrêt et ils ont donc opté pour des pneus super soft. On est donc 9e à la bagarre, 8e maintenant, côte à côte avec Felipe Nasser dans la ligne droite face au moteur Ferrari de la Sauber qui va sortir gagnant. Et ce sera Nasser, on est obligé d'aller sur la droite. Attention, il y a une Mercedes qui ressort, c'est Lewis Hamilton et on touche Marcus Ericsson qui tentait également avec le DRS de prendre avantage de la situation mais ça n'est pas passé pour le pilote suédois. Nous maintenons notre 8e place mais avec un rythme très soutenu. Va-t-on tenir jusqu'à l'arrivée? Nous avons évidemment la voiture réglée sur le mélange riche puisque nous avons bien économisé pendant les quelques tours effectués et derrière le pace car regardez le train derrière nous, nous sommes en sandwich devant les deux Sauber. Mais attention puisqu'il y a une voiture très véloce derrière qui pourrait déjà nous prendre une place parce que c'est la voiture déjà la plus rapide du plateau, pilotée par le champion du monde en titre et surtout avec des pneus super soft. C'est Hamilton qui va revenir très vite sur nous. On tente d'attaquer deux roues dans l'herbe pour prendre l'avantage sur Nasser et on bloque nos roues. Attention à ne pas répéter ce genre de manœuvre trop souvent sinon on risque de payer le prix fort. Derrière nous maintenant, Marcus Ericsson qui va se faire avaler tout simplement par la Mercedes de Hamilton. Et voyez qu'on est entouré de voitures en pneus médium. Nous sommes les seuls avec les softs. Seul Hamilton étant super soft. Et voyez les écarts également avec les autres voitures. C'est assez serré. À l'issue de ce 24e tour, nous aurons droit au DRS. On nous informe que la météo ne bougera plus. Et donc le soleil qui fait son apparition côte à côte avec Felipe Nasser. On va tenter de croiser le Brésilien. Là, on a l'avantage du DRS. On peut peut-être même le doubler. Voilà, au niveau de la ligne. Et c'est fait, il s'incline le pilote brésilien alors que d'autres pilotes sortent encore des box. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 8,3 secondes. 8 secondes nous séparent de la Red Bull de devant nous. Quelques infos au sujet d'Ericsson. Ils ralentissent, on dirait qu'ils rencontrent des difficultés avec leur monoplace. On nous informe que l'une des voitures est en difficulté. Un seul abandon pour l'instant dans ce Grand Prix. On se retrouve au 27e des 29 tours de course. Et regardez qui est 6e de ce Grand Prix avec la seule Renault rescapée, Kevin Magnussen, le Danois. Et à ce moment-là, Nico Rosberg nous double. Ce n'était pas Lewis Hamilton qui était derrière nous. Autant pour moi, c'était Nico Rosberg avec la Mercedes. On a un instant l'illusion de pouvoir se battre avec les flèches d'argent. Mais malheureusement, on ne peut rien faire que de laisser passer la voiture de Nico Rosberg. Un point sur les pneus. Voyez qui est en tête de ce Grand Prix pour l'instant. Eh bien, c'est Kimi Raikkonen qui mène. Il a doublé Lewis Hamilton. Il est devant Max Verstappen et Sergio Perez qui fait une course absolument formidable. Les Force India sont très très fortes en ce début de saison. Avant-dernier tour maintenant, derrière Nico Rosberg et devant Daniil Kvyat. 6 secondes nous séparent du pilote russe. Nous sommes quasiment assurés, sauf problème technique, de terminer en 8e position. Pas de pluie aujourd'hui à Melbourne. Un Grand Prix qui se sera passé eh bien, mieux que prévu avec cette safety car que l'on a
malgré tout un petit peu provoqué lors du contact avec Daniil Gviat, mais il s'en est bien remis. Maintenant, la question est, Nico Rosberg va-t-il réussir à manger Kevin Magnussen? Mais va-t-on surtout, nous, réussir à aller chercher le pilote danois et sa Renault dans les derniers hectomètres de cette épreuve? Petit blocage de roue ici, la Mercedes devant nous s'envole et la McLaren glisse de tous les côtés. On accroît notre écart comme nous en informe Jeff, avec la voiture de Daniil Gviat derrière qui semble être un petit peu ralenti. Il perd beaucoup de temps, le pilote russe, avec ses pneus médium. Regardez donc, c'est Rosberg devant et nous on arrache le plot. Il avait vécu tout le week-end et ça va nous emmener un petit peu loin. On salit les pneus, ça aurait pu être une catastrophe. On n'a pas abîmé l'aileron, fort heureusement. Et regardez Kevin Magnussen dépassé à l'extérieur comme s'il était à l'arrêt par Nico Rosberg. Et c'est bientôt l'arrivée de ce Grand Prix. On va entamer l'ultime boucle de cette manche australienne avec notre voiture Stoffel Vandoorne qui aura donc rempli le contrat. On était très très proche du mur dans cet avant-dernier passage. Et voilà l'arrivée maintenant. On n'a pas réussi à doubler Kevin Magnussen, mais nous remportons la 8e place de ce Grand Prix remporté par Kimi Raikkonen. Très belle fin de course, je te félicite. Tu as rempli le contrat avec brio, je te tire mon chapeau. Une très belle victoire pour l'écurie de Maranello aujourd'hui. D'après vous, Nicolas Martin, à quoi peut-on attribuer cette victoire? À mon avis, le rythme de course a été déterminant. Nous pourrions discuter toute la journée de la stratégie, des dépassements ou de la gestion des pneus. Mais ce qui importe au final, c'est d'avoir la machine la plus rapide de la compétition. C'est ce qui a fait toute la différence aujourd'hui. Les voilà qui montent sur le podium. Quel que soit le circuit où vous allez, les drapeaux du cheval cabré font la loi dans les tribunes. Aujourd'hui encore, ils sont de sortie. C'est Ferrari qui l'emporte une fois de plus. Et à l'issue de ce premier Grand Prix de la saison, Kimi Raikkonen devient le premier leader de cette année du championnat du monde de Formule 1 2016. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette première manche depuis Melbourne. On se retrouve très vite pour vivre la deuxième course de la saison. Ça risque d'être encore plus animé, surtout si les Ferrari tiennent la dragée haute au Mercedes. Le classement de cette course avec, vous le voyez, le résultat pour Stoffel Vandoorne, 8e place, contrat plus que rempli pour nous au sein de l'équipe McLaren Honda. On va jeter un œil quand même à l'endroit où se trouve Fernando Alonso. Regardez ça, il faut descendre au 18e rang pour retrouver le pilote espagnol qui a eu une course difficile. Max Verstappen termine 21e à un tour avec ses problèmes techniques. Plusieurs pilotes ont été pénalisés. Très belle performance, 14e pour Pascal Wehrlein. Le classement général, Raikkonen en tête devant Hamilton, Perez et Ricciardo. Carlos Sainz, très beau 5e et Kevin Magnussen, très beau 7e au niveau des écuries. C'est malgré tout Mercedes qui prend la tête pour un petit point d'avance. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette première course. On se retrouve donc du côté de la deuxième épreuve. Dites très vite, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un petit like. Je ne le fais jamais, mais bon, vu la ferveur qu'il y a derrière F1 2016, c'est sur le sourire d'Éric Boullier que je vous laisse. Merci les amis et à la prochaine. Ciao.